Salut à tous les amis, retrouvez les stories de vos personnages préférés sur notre chaîne. Pour ceux qui connaissent pas la chaîne, tous les jours à 21h, on publie les stories des personnages publics les plus suivis. N'hésitez pas à vous abonner et liker ou nous soutenir sur notre Tipeee. Toutes les infos sont dans la description. Je vous laisse avec la vidéo, bon visionnage. Je vous présente le mec le plus jaloux et le plus chelou du monde. C'est pas moi. À chaque fois qu'on se fait un câlin, regardez qui nous regarde. Hein, Gasti? Gasti, toujours là, eh oui. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que Mais cette tête. tu veux? Il veut trop être un câlin avec nous. Bon, on est un peu défignant aujourd'hui. Voilà, on doit assumer qu'aujourd'hui, on n'a plus d'ambition, plus de motivation, ni pour cuisiner bien et manger bien, ni pour faire du sport, ni pour quoi d'autre. On n'a plus d'ambition. Voilà, clairement, on l'avoue, on l'assume. C'est pas évident. Bon, aujourd'hui, on n'a pas de sport. Hier soir, j'étais dans la douche, je me lavais et je dis à mon chéri, ramène mon peignoir, ramène-moi une culotte. Parce que comme d'habitude, j'oublie toujours tout, je me lavais, mais heureusement qu'il y a quelqu'un avec moi, parce que sinon je devrais tout le temps traverser la maison, trempée, tout nu. Tout le temps, j'oublie des trucs. Il m'a ramené quoi comme culotte? Voilà, celle-ci. La culotte Blinks. Voilà, c'est la culotte pour les règles, Ben, c'est normalement. pas grave, ça passe en culotte normale aussi, hein. Oui, chérie, je t'ai rien dit, hein, je t'ai dit merci quand tu l'as emmené. Voilà. Bon, en vrai, allez, on est très confortable dedans. D'ailleurs, je vais vous donner un super code promo pour ces culottes. Bon, normalement, c'est pour les règles. C'est pour retenir les pertes vaginales, les règles, les fuites urinaires. Elles sont trop, trop, trop bien. Moi, je m'en passe plus. Je les mets tout le temps. Il n'y a pas d'odeur. Vraiment, il y a que des qualités en plus. Parce que du coup, vous ne mettez pas de tampon, pas de serviette hygiénique. Il n'y a pas de produits chimiques. Donc, en plus, c'est cancérigène, tous ces trucs-là. Donc, faut faire. Donc, essayez de changer vos habitudes pour vous, pour votre santé. Je vous conseille d'avoir un lot de 3 culottes. De toute façon, c'est vendu par 3 parce que tout simplement, ça dure 12 heures. Il faut la changer. Donc, moi, j'en mets. Au début, j'ai commencé par mettre que la nuit puisque j'étais un peu pas sûre de moi sur les culottes. J'avais peur d'avoir des fuites. Et finalement, ben, maintenant, je mets même la journée parce que franchement, vous pouvez faire confiance à la culotte. Elles sont hyper confortables. Vous avez juste à la changer, à la laver à la main dans un premier temps et ensuite à la mettre à la machine à laver. Voici les deux modèles de culottes. Donc celle-ci, c'est celle que j'ai sur moi. Elle est beaucoup plus fine. Voilà. Vous avez le côté absorbant ici jusque-là. Je vais vous montrer. Et vous avez celle-ci qui est beaucoup plus large au niveau des fesses. Alors, là, je prends la culotte. J'ouvre la culotte. Voilà. Donc c'est là où on est censé avoir nos règles. Je jette un petit bouchon d'eau. Hop, vous avez vu, ça absorbe. Et en plus de l'autre côté, aucune tache sur la feuille. Voilà, elles sont vraiment super. Quand vous arrivez sur le site, vous retrouvez ici les lots avec 3 culottes. Les deux différents modèles, j'ai les deux. Avec mon code Jessica50, regardez, ça vous enlève 34,98€. Ça vous fait le lot de 3 à 34,97€. Franchement, c'est pas du tout excessif. Aujourd'hui, mon fils, il est un petit peu ronchon. Hein, mon cœur, un petit peu. Il râle. Il jouait son nouveau jouet. Doucement, quand on fait un kiss, comme ça, Mylon. Doucement. Non, tape pas. Non, on fait gentil. On fait gentil. Voilà, gentil. Ouh. Bon, ça y est, je suis arrivée à la clinique, je suis trop contente, c'est mon endroit préféré, je vous jure. C'est trop bien. Pas question, je parle pas question que de chirurgie esthétique, hein. Je parle aussi pour tout ce qui est soins en fait. La chirurgie, bon, j'ai un peu tout fait, donc il n'y a plus grand-chose à refaire, à vrai dire. Mais voilà, c'est là où je fais tout mon épilation laser, là où je fais mes soins, là où je fais mes soins des cheveux par exemple, mon PRP. Voilà, hein. Je fais un peu plein de choses et j'aime trop qu'on prenne soin de moi. Là aujourd'hui, je vais faire un petit soin du visage. Je vais m'endormir, je le sais. Oh, c'est trop bien, rien que de le savoir, j'ai hâte d'être allongée. Elle va me toucher comme ça. Je suis une malade. Voilà. Bon, bah, à tout à l'heure. J'ai les gants, on est tout équipé. À chaque fois qu'on rentre là-dedans,
rigole pas avec la sécurité. Alors, il y en a, ça va être d'aller chez le coiffeur ou chez l'esthéticienne, leur moment préféré. Moi, je déteste. Enfin, je pense que c'est parce que j'étais coiffeuse, donc c'est bon, quoi. Attends, ma coiffure, trop dur pour moi. Et tout ce qui est ongles et tout, manicure, ben, je déteste. Seul truc que j'aime bien chez l'esthéticienne, c'est faire le massage, voilà, c'est tout. Tout le reste, j'aime pas du tout. Je suis pas une bonne cliente en esthétique et coiffure. Malone ! Ça va, mon petit cœur ? T'es contente de faire la promenade ? Ça te fait du bien ? C'est un peu lourd, mais bon, faut qu'il respire de l'air pur parce que l'air de la clim, ça va 2 minutes, quoi. Quoi ? Mais maintenant, il veut s'enfuir, les gars. Le problème, c'est que je vais vous dire la vérité, j'arrive plus à le tenir. Voilà, j'assume. Mes bras, regardez, c'est une crevette. Comment vous voulez que j'arrive à le porter pendant 3 heures ? Tu m'expliques ? Comment tu veux que maman le fasse ? Je n'arrive plus. Et ça fait que t'as que 7 mois. Comment je vais faire quand t'auras 2 ans et demi ? Hop ! Tu dis à maman ? Tes petits pieds de ma vie, là. En plus, ils me poutent, ils bougent, donc du coup, je galère encore plus à le tenir. Eh ouais. Je sais pas, à quel âge on porte plus à l'enfant ? Puisque là, du coup, à quoi peu ? Tu sais, toi ? Au bout d'un quart d'heure, je suis en congestion, j'en peux plus. Les amis, d'ailleurs, n'oubliez pas, musique de mon chéri Candela est toujours disponible sur toutes les plateformes. Allez-y, allez-y, foncez. Moi, j'écoutais dans ma voiture tout à l'heure pour aller à la clinique. Je me régalais, je l'écoutais en boucle. Je connais presque les paroles, chérie. Bon, ouais. Je sais pas si c'est les bonnes, mais en tout cas, ouais. Moi, j'ai les miennes. Voilà. En tout cas, je suis, voilà, les amis, swipez. Et merci pour la force que vous lui avez donnée. Franchement, c'est trop adorable de votre part. Tous les gens qui dansent et tout dessus, c'est trop mignon.